Hey yo tout le monde les amis, c'est Blackpain. J'espère que vous allez tous super bien aujourd'hui en ce jour de printemps, en ce je sais pas. Voilà, enfin je savais mais je le sais plus. Donc les gars, je rentre aujourd'hui pour une petite vidéo pour donc vous présenter, donc du moins vous expliquer que donc la voiture que j'ai là, la Ducotet, donc la Impong Ducotet est maintenant disponible sur GTA 5 Online. Alors il y en a qui le savent, il y en a qui ne le savent pas. Alors moi je sais pas depuis combien de temps elle est disponible, mais je viens à peine de la prendre, donc je ne le savais pas hein, je dois vous avouer que je viens à peine de la prendre. Là je me baladais sur le J'étais voir sur internet et oh je la vois, et en plus elle est gratuite. Alors, c'est ça qui est pas mal. Donc le fait qu'elle soit gratuite, c'est peut-être pas vraiment, ça va peut-être pas rester longtemps, donc je vous conseille de l'acheter maintenant. Donc elle est belle hein, donc je sais pas combien de gens sont au courant, combien de gens n'y sont pas, parce que je vous avoue que moi sur Facebook j'ai vu des gens qui disaient qu'elle était disponible et d'autres gens qui disaient ah bon c'est pas possible et tout, donc apparemment j'étais pas j'étais, enfin, ça me rassure, je suis pas le seul à ne pas être au courant, donc je sais pas. En même temps Rockstar nous ont vachement prévenu hein, rien du tout, pas de mise à jour, rien, donc on a vachement été prévenu que cette voiture allait arriver sur GTA 5 Online. Alors on peut la customiser, bon il y a pas grand chose niveau customisation, mais on peut la customiser, on peut. Enfin, c'est bien, remarque. Hein, alors, j'ai croisé aucun joueur avec. Hein, y a pas grand monde qui doit savoir qu'elle est dispo. Parce que je vous avoue que je n'ai pas croisé un seul joueur avec. Donc, franchement, c'est moi ou les pots d'échappement, ils sont en dessous. Ah oui, ils sont là. Sur le côté. Donc, je vais bien vous prouver qu'elle est disponible. Donc, elle est sur le site Warstock Cash and Carry. Vous allez là-dessus, vous descendez, descendez, vous descendez, vous descendez, et hop, elle est juste à côté du Marshall. Alors elle est gratuite, hein. Vous voyez, 0,0 dollars, comme le Marshall aussi. Le Marshall aussi est gratuit en ce moment. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. J'avais même pas fait gaffe. Mais le Marshall, il est gratuit aussi. Donc voilà, donc elle est là et elle est gratuite. Donc je vous conseille de l'acheter maintenant, avant que elle n'y soit plus. Et puis et bien voilà. Donc et bien c'est tout. C'était une petite vidéo très courte. Je n'ai pas grand chose à vous dire. Je vous présentais juste que cette voiture était sur GTA Online. Je n'étais pas du tout au courant. Mais voilà. Les gens, je vous parlais un petit peu du RP également. N'oubliez pas, donc le RP se passe samedi. Samedi là. Donc l'heure, je vous referai une petite vidéo dans la semaine, parce que je me souviens plus beaucoup, il va falloir que je vois avec James, parce que je me souviens plus vraiment de l'heure. Mais donc le RP aura bien lieu samedi là, qui arrive, donc samedi soir, 20h30, 21h je pense. Mais c'est bien ce samedi là, je le rappelle, s'il y a des gens qui s'en rappelaient plus. Mais c'est bien ce samedi là. Bref, voilà, c'est tout. Attendez, j'ai cru voir un truc. Regardez, il y a une espèce de bombe de. Une bombe de gaz là. What the fuck? C'est classe, remarque. Il y a marqué Impound sur le sol et tout. Elle est classe en vrai. Donc, et bien voilà. Et ben, écoutez, les gens, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que tout cela vous aura plu. Par contre, en vue à la première personne, on ne voit absolument rien. Et moi je vous dis donc à la prochaine, donc à samedi au plus tard pour ceux qui seront là, sinon dans la semaine je vous refais une petite vidéo pour vous dire l'heure, pour vous redire l'heure. Et voilà, donc et bien voilà, c'est tout pour cette vidéo les gens, bye bye, j'espère que ça vous aura plu, n'hésite pas à lâcher un like, hein, à t'abonner, à commenter, et à plus.